Good morgen, allez, Iden, les Yusra, aujourd'hui, les Lishmad, Moriv, Rabbi Shmuel, Ben Shlomo, Zalman, Sarah, Batran, Rachel, Shlomo, Ben Esther, Shlomo, Nissim, Ben Sarah, ainsi que Lurfat, Sarah, Bat, Betty, Rifta, Betor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Menachot, Perikud Aleph, Mishnah Gimel, Chavitei Kohen Gadol, Lishatan, Varichatan, Vaafiatan, Bifnim, Vedochot et Hashabbat, Tichonan, Veherkedan, Enan Dochot et Hashabbat. כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה שאפשר לה לעשותה מערב שבת, אינה דוחה את השבת. ושאי אפשר לה לעשותה מערב שבת, דוחה את השבת. משנה סימפל, כי המציפה אור סוג'ה ברפור הנות חשפית, כי קונסיסט, איניסיאלמו הפרלת ושתי הלחם, עד הלחם הפנים, סדיר, לדופן דו שבועות, אל הלחם הפנים לפן, לדוז פן דו שבת. אתו נוניק למשנה פרסדנט, עונה אבוקה, les korbanot, les menachot plutôt, qu'il fallait pétrir à l'intérieur du Beit HaMikdash et à l'extérieur du Beit HaMikdash, il y avait plusieurs halachot. Du coup, c'était l'occasion pour parler d'un petit sujet annexe qui ressemble encore, qui est à présent les Chavitei Kohen Gadol. On l'a déjà évoqué longuement même, on a étudié les Chavitei Kohen Gadol, la fameuse mincha, oblation que le Kohen Gadol apportait tous les jours. Il devait apporter tous les jours une mincha de un isaron, avec de l'huile et il allait sur le Tamikdash. Il fallait de cette mincha faire 12 pains, les couper en deux. La moitié, on les apportait le matin, l'autre moitié l'après-midi. D'accord ? On faisait une mincha qu'on coupait en deux, la moitié le matin, la moitié l'après-midi. C'est ce qu'on appelle les Chavitei Kohen Gadol. Ceux qui lisent le matin dans la tefila, après les korbanot, comme ceux qui lisent tous les korbanot. Une fois qu'on a fini de faire la ktoret, là-bas, il y a la braïta de Abaye, Ava Meseder, Seder Hamish Mani Gemara. Là-bas, il y a marqué Chavitei Kohen Gadol. Le Chavitei Kohen Gadol, c'est la mincha donc, spécifique du Kohen Gadol, donc il doit apporter tous les jours. Maintenant, la Mishnah m'enseigne Lishatan, Varichatan, Vafiatan, Bifnim. Il faut les pétrir, les former et les faire cuire à l'intérieur du Beit HaMikdash. Et là, j'explique le principe qu'on a un petit peu évoqué hier. Maintenant, on va en reparler un petit peu plus longuement. Dans la Mishnah précédente, quoi, on en avait parlé, c'était vendredi. Et succinctement, on avait appris que les midot, les mesures du Beit HaMikdash, ont été ou non sanctifiées à l'intérieur, à l'extérieur. On avait eu plusieurs mishnayot, on avait déjà évoqué le sujet. Le principe, il est très simple. Lorsque j'utilise un kli kadosh, un ustensile kadosh, que je vais mettre dedans de la semoule, de la farine, ou de l'huile, ou du vin, pour même mesurer, si le kli est kadosh, il va sanctifier ce que je vais mettre dedans. Si le kli n'est pas kadosh, n'est pas saint, il n'a pas été oint par l'onction, alors ce que je mets dedans ne va pas devenir kadosh. Pour le moment, la notion elle est très simple. De ce fait, conséquence, si je vais manipuler un ustensile pareil dans le Beit HaMikdash, alors si j'ai besoin d'utiliser cet ustensile pour mettre dedans ma farine ou mon huile, alors je ne pourrai plus le faire en dehors du Beit HaMikdash. Pourquoi ? Parce qu'en dehors du Beit HaMikdash, si je vais sanctifier ce que je vais mettre dedans, c'est une catastrophe, je suis à l'extérieur du Beit HaMikdash. D'après Rashi, c'était pas soul. D'après Tosot, on avait évoqué qu'il y a un zilzoul, il y a un mépris. En tout cas, donc, si tu utilises un ustensile qui est kadosh, de l'utiliser nécessairement à l'intérieur du Beit HaMikdash et pas à l'extérieur. D'accord ? C'est la notion qui véhiculait les halachot de la Mishnah précédente. À présent, on va parler des Chavitei Kohen Gadol. Alors, il y a deux manières comment interpréter. Le partenaire apporte une chose, mais le Tosot Yom Tov, il rallonge pour expliquer pourquoi c'est faux, il rallonge avec Tosot. Le Bartanor, il a suivi Rashi. Tosot, ils ont des grandes questions sur ça, du coup, ils expliquent autrement. Pour le moment, je préfère rester avec Tosot, c'est plus facile pour moi. D'accord ? Après, peut-être éventuellement, je dirais vite fait ce qu'il dit Rashi. Mais en tout cas, d'après Tosot, c'est simple. Quand tu fais la mincha du Kohen Gadol, tu dois mélanger de l'huile dedans. Or, on avait appris que s'il y a une discussion, est-ce que les ustensiles de mesure de produits secs ont été sanctifiés ou non, il y avait une grande discussion là-bas. Une chose de sûre, c'est que les ustensiles de liquide ont été sanctifiés. Donc, je vais devoir maintenant dans cette mincha mettre de l'huile d'olive, parce qu'il faut mélanger de l'huile. L'huile elle-même, elle va passer dans un ustensile kadosh, donc c'est sûr qu'elle va être sanctifiée. De ce fait, tu dois être à l'intérieur du Beit HaMikdash, puisque tu mélanges l'huile. Ça, c'est l'interprétation de Tosfot. L'interprétation de Rashi, elle a été un petit peu différente, que même s'il y avait une discussion sur les ustensiles, les mesures de produits secs, mais il y a une mesure de produit sec qui était vadaï sanctifiée,
c'est celle du Khatsi Saron du Kohen Gadol. C'est étant donné qu'elle est spécifique à l'oblation du Kohen Gadol, c'est-à-dire toutes les Ménachot en général, c'est un Issaron, ou deux Issaron, ou trois Issaron. Mais il n'y a personne qui apporte un demi-Issaron. Un Issaron, vous vous rappelez, c'est le Asiri Taifa. Le dixième de l'Aïfa, ça correspond à Shiur Khala. C'est la quantité pour une Mincha, une dose de Mincha. Chaque unité de Mincha doit faire ce poids-là, cette mesure-là. 1,66 kg de farine. Donc, maintenant, je reviens sur les... De manière générale, toujours il faut apporter cette dose. Ce qui se passe, c'est que pour les Khavit et Kohen Gadol spécialement, hein, il fallait en plus la même dose coupée en deux, parce qu'après, il fallait la séparer en deux. Et là, puisque c'est une mesure spécifique au Kohen Gadol, alors, cette mesure-là, elle avait la capacité de sanctifier ce qu'on allait mettre dedans. D'accord, retenez la notion rapportée par Rashi, retenez surtout l'essentiel, c'est le pshat de Tosfot rapporté par le Tosfot Yom Tov, que c'est à cause de l'huile qu'on mélange dedans. De ce fait, puisque maintenant, tu vas pétrir ta mincha, des chavitei kohen gadol, avec de l'huile, eh bien, c'est kadosh, tu dois être à l'intérieur du Bet HaMikdash. Donc, l'ishatan, varichatan, vafiatan, le fait de le pétrir, et de les former, et de les faire entrer au four, de les enfourner, ça doit être bifnim, à l'intérieur du Bet HaMikdash, parce qu'il nous toucha. Vedochot et Shabbat, et elles vont même, toutes ces melachot vont repousser le Shabbat, c'est-à-dire, même à Shabbat, le kohen gadol devait apporter ses chavitei kohen gadol. Il y a marqué dans la Torah Tamid, qu'il faut le faire toujours. De ce fait, eh bien, on pourra même le faire le Shabbat. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une chose que tu pouvais faire depuis la veille. Étant donné que tu dois faire dans un ustensile qui est kadosh, alors ça va sanctifier ce que tu vas mettre dedans. Et si ça sanctifie, alors tu ne peux plus passer la nuit qui suit sans l'avoir offert et consommé. D'accord? C'est une notion très simple. Donc c'est pour ça que ça repose sur le Shabbat. Par contre, Tichunan ve'arkadan enan dochot et Shabbat. Moudre et tamiser la farine, la semoule, ne repousse pas le Shabbat. D'accord? C'est-à-dire, pour boire la mincha du Kohen Gadol, même la mincha du Kohen Gadol, il faut nécessairement avoir de la farine. Imagine qu'on a du blé, qu'on n'a pas encore fait de la farine. Est-ce qu'on a le droit de moudre ce blé pendant Shabbat pour faire la mincha du Kohen Gadol? Étant donné que tu as le droit de faire la mincha pendant Shabbat, tu vas te mettre à pétrir pendant Shabbat, tu vas jeter au feu pendant Shabbat. Alors peut-être qu'on pourrait le droit aussi, on aurait le droit aussi de moudre le blé ou de le tamiser. La réponse, elle est que non. Et pour quelle raison? À cause de la suite de la Mishnah. « Klal amar Rabbi Akiva » Telle est la règle que Rabbi Akiva nous a enseignée. « Kol melacha shevchar la lasot me'erev shabbat en adochet ha-shabbat » Tout travail, travaux créatifs interdits pendant Shabbat. « Shevchar la lasot » Que tu as la possibilité de le faire. « Me'erev shabbat » Depuis la veille du Shabbat. « En adochet ha-shabbat » Elle ne repoussera pas le Shabbat. « Veshei evchar la lasot me'erev shabbat » Par contre, si tu ne pouvais pas la faire depuis la veille du Shabbat, alors dans ce cas-là, Dochat HaShabbat, elle repoussera le Shabbat. Il y a une règle Rabbi Akiva, très simple, qu'on rencontre fréquemment dans Rabbi Akiva, dans la Mishnah, en l'occurrence dans Masechet Shabbat. J'étudie les Mishnah de Shabbat sur la table du Shabbat. Aujourd'hui, Shabbat, j'ai lu cette Mishnah. Il y avait le même principe avec le Brit Milah. Donc je vais prendre l'exemple du Brit Milah, après on va revenir dessus. On a le droit de faire un Brit Milah Shabbat, vous savez. Oui, bien sûr, vous avez déjà assisté à un Brit Milah le Shabbat. Avec un enfant qui est né, que c'est le 8e jour, que ça tombe pendant Shabbat, on a le droit de repousser le Shabbat, on le repousse et on fait le Brit Mila malgré tout. Pour faire le Brit Mila, il y a besoin de plusieurs melachot annexes. Ça peut être apporter un couteau à la synagogue, le couteau avec lequel on va couper. Ça peut être même fabriquer le couteau, l'aiguiser, tout ça c'est des transgressions pendant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de les faire pendant Shabbat? Réponse: ce que tu n'as pas le choix de faire pendant Shabbat, ça repousse le Shabbat. Ce que tu pouvais faire depuis la veille, ça ne repousse plus le Shabbat. C'est clair? C'est la règle qui vient de nous dire Rabbi Akiva. En l'occurrence, apporter le couteau, tu n'as pas le droit d'apporter le couteau pendant Shabbat. Pourquoi? Tu pouvais l'apporter la veille. De ce fait, le Shabbat n'a pas et ne peut pas être repoussé pour une manacha que tu n'étais pas obligé de transgresser. C'est vrai que Brit Mila, ça repousse Shabbat. Tout ce qui va autour du Brit Mila, que tu n'as pas le choix de le faire autrement, tu le fais pendant le Shabbat. Mais ce que tu pouvais faire depuis la veille, tu n'auras plus le droit de le faire pendant le Shabbat. Même principe. Avec, à présent, les chavitei et kohen gadol, c'est vrai que tu dois faire nécessairement cette oblation pendant Shabbat. Et ça va repousser le Shabbat. Tu vas pouvoir pétrir, et tu vas même mettre au four pendant Shabbat. Il n'y a pas de problème, c'est permis. Mais tamiser la farine, tu pouvais le faire depuis la veille. Moudre la farine, tu pouvais le faire depuis la veille. De ce fait, ça ne va plus être des melachot qui vont être permises pendant Shabbat, même si du coup tu n'as plus de farine. Et c'est arrivé qu'on avait la farine depuis le vendredi après-midi, on avait prévu qu'il y avait la farine pour le lendemain pour le Chavitei Kohen Gadol. Et ce qui s'est passé, il y a eu un incendie, il y a eu, je ne sais pas,
On n'a plus de farine, il va falloir amener de la nouvelle farine. On n'a pas de farine, on a du blé. Et ben tu ne pourras plus le moudre. Pourquoi? Parce que quand je t'ai dit de repousser le Shabbat pour faire les chavitei, c'était justement ce qui était impératif de faire pendant Shabbat. En théorie, c'est-à-dire si tu avais la farine de près, tu n'aurais pas pu pétrir depuis la veille. Donc ça, c'est-à-dire que tu peux même pétrir, tu pourras le faire pendant le Shabbat. Tandis que moudre le blé, puisque tu as la possibilité théorique de le faire depuis la veille du Shabbat, alors le Shabbat n'a pas été repoussé pour cette melacha. Et donc, on n'apportera pas les chavitei dans cette journée-là. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Salam.